votre météo avec JH Solutions. Mardi 29 octobre 2024, mesdames, messieurs, je suis ravie de vous retrouver à ces bulletins de météo. Comme nous pouvons déjà les constater, de l'orage s'est présente bien sûr dans presque toutes les villes avec de fortes pluies aussi. Mais il y a quand même des risques quand même qu'il y ait quand même du soleil. Nous sommes d'abord dans la ville de Matadi où nous remarquons que c'est le soleil qui apparaîtra à 29 degrés Celsius, température maximale baissera à 22, température minimale, ce qui ne présente aucune présence d'humidité, mais précipitation de ventre 14 à 32 km par heure. Des restes des vues, nous avons de l'orage qui s'est présente dans la ville de Mbushima et dans la ville de Kikwit et Mbandaka. Ce sont des fortes pluies, tandis que les restes de ville Kinshasa, nous sommes de la ville de Kindu qui présente aussi bien sûr de la forte orage et Butembo c'est juste de la pluie. Mais le soleil apparaîtra à 31 degrés Celsius, très élevé pour la ville de Kinshasa après la pluie à 23, température minimale 34 pour Mbujimayi malgré l'orage à 22 degrés Celsius, température minimale. Dans la ville de Kikwit, nous pouvons remarquer que la température bien sûr elle peut être très élevée à 32 degrés Celsius, elle baissera à 21, température minimale 24 degrés Celsius, de chaleur pour la ville de Butembo à 21, 34 pour la ville de Kikwit à 21 degrés Celsius, ainsi que la ville de Mbandaka qui présente 30 degrés Celsius à 23 température minimale. Nous avons aussi des humidités qui se présentent à 80% pour la ville de Mbandaka, 70% pour Kikwit, 70% pour Kindu, la ville de Mbujimayi nous donne 80 et la ville de Kinshasa nous donne 60 degrés Celsius. Nous sommes dans les villes qui s'est fait suivre, bien sûr. Nous sommes précisément d'abord dans la ville de Kisangani, Lubumbashi, Kalemi, Moanda, Kolwezi, Goma ainsi que Bandundu. Nous pouvons remarquer que de l'orage s'est présente, mais dans la ville de Moanda, le soleil sera bien sûr au rendez-vous comme nous pouvons le constater. La température elle est moins élevée, elle est de 28 degrés Celsius à 24 température minimale. Mais bien sûr, des fortes pluies s'est présentes dans les restes de villes. La présence de soleil aussi sera au rendez-vous. 34 élevés à Bandundu, 24 pour la ville de Goma. Masque une température ambiante. La ville de Kolwezi présente 29 degrés Celsius, 30 degrés Celsius pour Kalemi, 33 degrés Celsius élevés pour la ville de Lubumbashi et 34 très élevés pour la ville de Kisangani. Avec des présences d'humidité, la majeure partie présente 70% d'humidité, sauf dans la ville de Moanda, aucune humidité, mais précipitations de ventre 19 à 30 km par heure. Et pour terminer ces bulletins de météo, nous avons la ville de Kananga ainsi que la ville de Kamina. Ces deux villes nous présentent déjà bien sûr de fortes orages avec une pluie qui se fera suivre bien sûr derrière ces nuages menaçants. Mais nous avons sur le soleil qui peut se présenter entre 32 degrés Celsius à 21 température minimale pour la ville de Kananga et la ville de Kamina nous présente 30 degrés Celsius de chaleur à 19 température minimale. 70% d'humidité pour le deux villes, précipitation de ventre 8 à 22 km par heure pour Kananga et la ville de Kamina nous préserve 9 à 26 km par heure. Madame, messieurs, c'est la fin de ces bulletins de météo. Je vous remercie de l'avoir suivi. Nous saluons nos partenaires officiels, Mbiyokar, Mantico Cré, Mantico Télévision. Je vous souhaite une très bonne journée. Cette météo vous a été présentée par JH Solutions.